Bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un petit plan que j'avais posté sur ma chaîne. C'est le plan numéro 23. C'est un plan de Birelli sur un 2-5-1 majeur. Alors, je te propose aujourd'hui qu'on le travaille dans Coquette. Donc, c'est un plan qui va marcher quand on arrive sur le Mi mineur 7, La 7 et qu'on a le Ré derrière. La grille, ça fait Ré, Fa diminué, Mi mineur 7, La 7, et c'est là que ça arrive, Mi mineur 7, La 7, Ré. Donc pourquoi je voulais revenir dessus? Tout simplement parce qu'il y a un élément très intéressant dedans qui s'appelle la triade augmentée. Alors voilà comment le plan fonctionne. Donc on est sur Mi mineur 7, on commence avec cette phrase là qui est intéressante sur le Mi mineur. Donc on commence par la sixte, puis la fondamentale, la neuvième et la tierce. Puis après, on joue la quinte, la septième mineure, la neuvième. Et là, on arrive sur l'accord de la 7. Et c'est là que Birelli joue une triade augmentée. Alors, il va faire cette phrase-là. Donc, fondamentale, treizième mineure, tierce majeure. Et ça recommence, fondamentale, treizième mineure, tierce majeure, et on arrive encore sur la fondamentale. Et après, il descend sur la septième mineure, et il résout sur la tierce majeure de Ré, qui est le Fa dièse. Et après, il monte, fait un petit mouvement chromatique de Do pour aller jusqu'à Ré, pour résoudre sur le Ré majeur. Donc cette triade augmentée, elle est composée d'une fondamentale, d'une tierce majeure et d'une treizième mineure ou une quinte dièse. C'est pour ça qu'on dit augmentée. C'est parce que c'est la quinte qui est augmentée. Donc c'est intéressant parce que ça fait entendre donc la fondamentale, la tierce et la quinte dièse. Et c'est ça qui donne ce côté un peu tendu et cette atmosphère un peu particulière à cette triade. Voilà, donc à chaque fois que tu as un accord 5 qui résout en 1 majeur, tu vas pouvoir utiliser la triade augmentée pour improviser. Donc sur un 2-5-1, Mi mineur, La 7, la triade augmentée, et tu résous en Ré. Donc n'hésite pas à utiliser cette triade dans toutes les situations où tu rencontres un 5, un accord 7 qui résout sur un 1 majeur derrière. Ça sera du plus bel effet. Voilà, merci beaucoup. C'était ma petite astuce du jour. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de regarder les liens qui sont en dessous. Il y a sûrement des choses qui t'intéressent. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.